Et peut-être que je vais pas citer. Je dis que j'ai une très bonne relation avec elle. Bon exemple simple. J'ai une très bonne relation avec moi. Après le 12 janvier, les bagages ont mêlé dans mes mains. Et en plus, le choc, le business est crasé. Je me suis dit que je suis totalement crasé. Les armes, je ne fais pas l'ouvrir magasin. Yep. Donc, je viens d'un petit genre à monter et descendre de travail. Donc, je me suis dit que j'ai une firme bien connue que m'applique pour lui, pour communication. Et qui était même trouvé moi trop qualifié. Ça veut dire que tout le bagage est conclu. Et puis, même ben l'arrivée, même ben prendre job là, il dit non. Et puis il dit que grand musicien très connu dans la ville là, qui dit compagnon, c'est moi-même ou bien monsieur. What? Et je, tu vois, c'est moi-même ou bien monsieur. Ça veut dire que me perds du cob là. Et me songe même gars, on est qui était dans jazz, qui dit monsieur. Nous moi même si me Philippe, nous t'as promis de tuer nous toutes parce que là n'a pas empêché avec bail petite image, il doit réagir. Je vois. Pipo, tu es passé. De show journalier quotidien pour arriver à un show hebdomadaire. Pourquoi ce choix? Bon, premièrement, parce que honnêtement, moi, pas gain chaleur encore. Chaleur. Et Vinci dans la radio chaque matin. Et pour m'a fait émission. Et moi, sincèrement, je me suis dit jeune courage. Et mais je pense que le ras le bol que me gagne parce au gagne le tout et au fond bah qui très intelligent gens que ou viennent canaliser choix donc ou pas viennent obligé inventer ou bien chaque matin on créer des sujets et long secteur d'activité qui généralement pas grand chose pour dire vu que la production en Haïti ou bien dans le marché haïtien lorsque nous parlons de production c'est à tous les niveaux production de spectacle production de musique et production de texte, et dans quel que soit niveau, nous sommes très pauvres. Donc, on est capable de faire radio chaque matin, on va remplir le bagage. On va remplir le bagage, on va remplir les événements d'actualité. Donc, on risque de réduire, tant qu'on est capable de quitter qu'on parle marché des micros toute la journée. Et donc, c'est une raison que je ne fais pas faire radio chaque jour. Je suis fatigué de faire même bagage là, je suis fatigué de dire même bagage, je suis fatigué de faire même reproche, de faire même critique. Donc, avec moi, des alternatives, je pense que j'ai trouvé un échappatoire. Et moins débattre de sujets et culturels dans toute sa largesse. Et moins parfois lié les souvenirs avec société. Donc c'est pour ça que je me dis, moi, des alternatives sont émissions et socio-culturelles. Tu vois, c'est la culture et la société ensemble, avec une priorité naturellement pour la. Mais je me demande sincèrement où tu trouves le courage de te réveiller tous les matins pour venir ici. Et mais quand je vois la qualité de ce que tu fais, sans vouloir te flatter, et je te l'ai dit, je suis l'un de tes fervents. Et spectateur, auditeur, je ne sais pas si internet là que j'aime dire. Mais au cas où je suis tout, moi assez régulièrement branché. Moi, mes émissions. Merci, c'est gentil. Yeah, moi, mes émissions, et tu sais que je ne suis pas du genre à envoyer des fleurs par-ci par-là. Surtout ma garçon. Et surtout ma garçon, tu vois. Et moi, mes émissions, des questions généralement très pertinentes. Et il y a des intervenants de poids, et majorité des émissions que je suis, que c'est Robert recevoir, que c'est Richard recevoir, que c'est Jacques Amboise, c'est pour te dire que je suis généralement branché. Nice. Et donc, moi, apprendre de l'émission. Et, et je pense que c'est ça, la radio, c'est ça la communication. Lorsqu'on écoute une émission, lorsqu'on regarde une émission à la télévision, et qu'à la fin de l'émission, pas gagner un cri de la tête ou en termes de connaissances plus, et c'est pratiquement une heure de perdu, deux heures de perdu. Tout à fait. Mardi Alternative, c'est déjà de très nombreuses années, apparemment. Oui, et janvier prochain, on fait nous pratiquement 8 ans. Et nous passons dans un paquet de cailles, ce soir. Oui, nous passons dans un paquet de cailles, nous passons dans ici à tout. Et il faut me dire que ici, c'est un aspect sentimental, même là, nous pas là encore. Ouais. Et pas là encore, c'est pas, il pas résulté d'un problème, il pas résulté d'un compte. C'est la caillou. Yeah, c'est pas du tout ça, il résulte peut-être d'une décision que nous prenons pour essayer autre chose. Et puis, pour des raisons, il faut le reconnaître également d'ordre lucratif. Après 5-6 ans que nous avons fait émission et sans sponsor que personne ne va toucher, nous devons une jeune offre côté où tu as payé nos cobs. Fallait le faire. Donc, nous avons fait ce choix, tout simplement. Nous avons une autre offre qui est encore plus intéressante au niveau de Radio Caraïbe. Et nous traverser. Comment ça se passe, so far? Et ça se passe très bien. On peut dire que nous avons accueilli deux rois, ils ont accueilli nos biens. Nice. Et ils ont vu une émission plus ampleur, parce que nous avons un mode alternative sur radio et télévision. Donc, assurez à tout le monde qui a regardé le mode alternative live sur radio télévision Caraïbe. Donc, c'est ça. Bon, et nous passons plusieurs radios, jeunes, mais dans le sens, je me dis que Radio Solidarité a un aspect sentimental.
c'est que l'un des premiers radios noté à Horizon 2000, on nous, pratique, on nous a pratiquement foutu à la porte. Il n'y a pas de foutre nous dehors, mais c'est ça qui a été fait. C'est, ah bon? C'est un jour, nous venons faire émission et nous avons toute porte fermée. Oh wow. Et puis, là, ça les m'a trimballé pratiquement là, toute radio pour m'a demandé et bonne possibilité de me faire des alternatives. Toute porte radio fermée, parce que c'est presque un mot d'ordre qui a été bas et puis qui a été fermé bouche, monsieur Zahou. Ok, bon, une seconde. Mm-hmm. on est avec une telle culture et. Une telle façon de faire qui est recherchée, je pense. Mm-hmm. Et comment se fait-il que des portes fermées pour Mardi Alternative, pour particulariser, mm-hmm. ça me va dire, pour l'équipe de Mardi Alternative qui mm-hmm. fait un travail titanesque. Et comment se fait-il que ça arrive? Je dois te dire que pratiquement la cible, c'était moi. C'était pas l'équipe. Moi, je pense que la cible, c'était moi. Parce que à titre personnel, tu m'as demandé pour qui ça me passe, suspendre, faire radio. Et chaque jour à tout, et nous mm-hmm. avons fait un temps dehors, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas au courant de ça. Et après le 12 janvier, quand j'ai parlé de la Radio Galaxy, la Radio Galaxy était venue faire émission en battante jusqu'au côté, juste la plaine, et ouais. Kaïda de Jamba. Il m'était très difficile pour nous autres canapé vert pour mal faire émission la Radio Galaxy. La Radio Galaxy, j'ai un petit jeune qui vient pas faire émission pour lui-même. Et les messieurs Radio Galaxy ont venu me tourner, ils étaient bien installés dans Delma. Ils ont dit que je ne peux pas me donner parce que je me trouvais injuste que nous avons un jeune qui paraît là, qui est là pour nous. Il était pour me donner, qui paraît me remplacer. Il a parlé de Le Duc, qu'il s'appelait. Donc, je suis venu pratiquement parler de Radio Galaxy. Mais entre temps, comme je me disais, c'est un qui a fait déclaration à droite, à gauche, pour position, tout comme tu me connais. Et puis, je suis venu contacter l'autre radio. Et je t'assure, Vince, que je fais un pile bail qui était créé un pile frustration là quand même. Il y a un directeur radio, bon, je peux citer nous, je suis capable de dire Rothschild, c'est un nadeur. Je me contacte Rothschild pour me faire émission. Et Rothschild dit oui, Rothschild très enthousiaste, chaud net devant Bonnard. Rothschild qui a parlé avec tout le week-end 3-4 fois. Et bien là, il me dit je vais faire émission. Et puis Rothschild dit bon, il y a un petit problème, patati patata. Oh, wow. Tu vois, crazy, man. Donc l'aime sorti dans Rothschild mal Franz Duval venir le faire tout off, il dit moi la bonne responsable radio me fait prier avec Franz Duval toute bagarre planifiée patati patata, très enthousiaste ça. Deux jours après Franz Duval disparaît en bas de l'eau tout. Donc ça arrive même là au moins 5 stations de radio chaque fois au fin de moi et puis comme rivé gon bail qui passé. Donc gon mot d'ordre qui était passé et en tout cas c'est comme ça m'interprète et pour pas bailler monsieur Zamico. Donc les mouilles vont côté moi, c'est micro, pas du tout. Peut-être seul côté de la faire émission. C'était ici à Le Matin, parce que M. Venel a une possibilité. Quand même. Et mais à un moment ça, l'heure a été occupé. Et par rapport à l'obligation professionnelle, moi, parce qu'on est radio, c'est pas les gars qui font vivre. Donc, je suis une vague. Et puis entre temps, je viens à Goumé avec moi des alternatives. J'aime dire là, c'était juste pour rester connecté avec la radio. Okay. Et puis moi des alternatives, je viens pour remplir là-même. Et puis bon, c'est ça l'histoire. Nous sommes monde que comme Zimdadou que et si m'bat gain rien solide, n'a guio fait même la pays ça. Qui côté ça sorti d'abord même? Bon, je pense que la prise de position moi. Non. Par exemple, les gens qui, par exemple, a fait type de bagage, initié. Je ne vais pas indexer de monde parce que j'ai de l'expérience que je vive. Et peut-être que je ne vais pas citer. Quand je dis que je suis très bonne relation avec moi, bon exemple simple. Je suis très bonne relation avec moi. Après le 12 janvier, les bagages ont mêlé dans mes mains. Et en plus, le choc, le business est crasé. Je me suis dit que je suis totalement crasé. Les armes, je ne fais pas l'ouvrir magasin. Yep. Donc, je viens aussi à monter et descendre des travail. Donc, je me suis dit que je suis une firme bien connue que je m'applique pour lui, pour communication. Et qui était même trouvé moi trop qualifié. Ça veut dire que tout le monde est conclu. Et puis, même ba l'arrivé même ba prendre job là yo dit non et puis yo dit que gon musicien très connu dans ville là qui dit compagnie c'est moi même ou bien monsieur what est-ce que tu vois c'est moi même ou bien monsieur ça veut dire que me perd du cob là et monsieur j'ai même gagne un nèg qui était dans jazz acte dit monsieur nous moi même si me de Philippe nous t'a pour me traite tuer nous toute parce que là n'a pas pêche avec ba petite image elle doit réagir tu vois donc c'est juste pour dire que au niveau de différents festivals qu'a fait sauver un peu partout à travers le monde et n'est pas invité encore bah je vois invitation c'est son bon côté systématique j'aime ah, bon? Ah ouais ça c'est sûr ni festival Miami ni festival New York nous bah jamais invité dans festival New York on joue dans ville
Festival Richard Hubert. Nous sommes pas jamais invités un jour dans la ville. C'est bizarre, bah, c'est bizarre. Et... Bon, pas le bizarre, monsieur. Moi-même, je trouve le bizarre. Bon, monsieur, il doit penser que soit je balance qui plie, soit pas besoin. Là, je dis ça, je dis là, c'est juste pour faire un état des lieux. Tout à fait, tout à fait. Et pas plein, ma plein. Ou pas plein, non. Parce que tu me connais assez, ou voyager à Tabou Combo, à l'Olympia de Pau, ou à Caméra, même, c'est pas qui te voit, c'est un petit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un petit qui est mal. Philippe, t'es Olympia, pendant que Tabou d'Abjoua, et c'est pas Tabou que t'es allé avec Philippe. C'est pas aucun producteur. Le producteur de Tabou, à l'époque, c'était un portugais, millionnaire pour portugais, et bon, tu n'as rien à voir avec le portugais. Clair. Non, mais Tabou. C'était Ronaldo qui s'en met où? C'est clair. Bon, Tabou Combo, le Zénith de Paris, m'était là tout, jeune garçon, c'est moi qui t'ai payé Tiké Malé, m'fait Belgique avec Tabou Combo, et moi qui t'ai payé Tiké Malé tout. La gagne de Bahia qui est intéressée, moi-même, moi, demain, les gars, moi-même, je ne comprends pas. Non, mais Philippe Saint-Louis est un, non seulement un promoteur, mais aussi un producteur de la musique haïtienne, et tu fais un travail colossal pour la musique. Ça veut dire que quel que soit ce qu'a fait qui a rapport avec la musique, tu devais normalement recevoir ton invitation. Bon, je vais te dire quelque chose. C'est pour que ce soit le clan, c'est pour que ce soit des amis. Bon, ça, tu. Équipe. Là, tu parles comme quelqu'un qui n'est pas tellement au courant, tu vois, de la société dans laquelle tu évolues. Et moi, je n'essaie plus de corriger la mentalité ou la façon de faire de certaines personnes. Je m'y adapte tout simplement, je sais à quoi m'en tenir. Mm-hmm. Ça veut dire, moi, identifier source, moi. Par exemple, Evan Jean, il doit faire 2 ans, ou pas, ouais, il doit faire 3 ans, ou pas, ouais. Evan Jean, il doit tout le temps en discussion, c'est mieux, par contre, ça, moi, Evan Jean, tout le temps, nous fait compte, tout le temps, nous vous mène, nous habitués fâchés. Mais à côté de tout fâché que je gagne avec vous, moi, j'étais content que Evan Jean, son ami. Parce que moi-même, moi, j'étais attaché à ça que les amis d'enfance. That's it. Ça veut dire que moi-même, et samedi, j'ai fêté mes 50 ans. Je ne me suis pas fait de nouveaux amis. J'ai conservé les mêmes amis de mon enfance et peut-être moi ajouté 2-3 monde que me connaît ces 10 ou 15 dernières années. Quelques connaissances. Non, quelques connaissances, tu vois. Mais le mot amitié est fort. Quand je parle des amis en Haïti, et en ce qui me concerne, ça se compte sur le bout des doigts. Et bébé, j'ai capté des lames qui a dit son âme, ils sont ceux. Elles sont bonnes. Donc, même pas gagner 2000, ni pas 3000, ça n'a pas besoin de gagner. C'est le mec qui le veut. Par exemple, Ralph Condé, son. C'est clair. Ses amis d'enfance, Philippe. C'est clair. On est avec Widens Joseph, Woody Sanon, tu vois. Moi-même, moi, j'étais attaché à mon communauté. Tout ça, c'est pour te dire que il y a une attitude qui part étonnamment. Un grand producteur, un grand organisateur de spectacles, de festivals, et qui te dit un jour, un mot devant. Et qui était des plus jeune, les ça, mais qui était commencé bam jeune à repenser. Me changer et après un événement qui vient une fête en terre étrangère et gon on est qui est antique qui pas de favorable à organisateur de spectacle. Ok. Il pas de favorable. Ça veut dire que mais pendant le pas de favorable à l'IA, son antique qui était surtout divérité, soit sous qualité spectacle qui était là, sous performance, sous organisation, pas d'attirer l'attention. Et je me souviens de la colère de ce bonhomme qui dit que on a un fucking ordinateur $500 pour le comprendre la crasse business. Wow. Est-ce que tu vois? Wow. Donc, tout ça apprend. Wow. Donc, les nègres n'ont pas invité maintenant, moi-même bien, mais les n'ont pas invité maintenant, parce que les bails ont intéressé mal et pourquoi ils me sentent libre pour m'écrire samedi. Elle dit que actuellement, lorsque j'ai invité un événement, nèg qui invite la fête comme son faveur faut. Yeah, that's true. Est-ce que tu comme son faveur là bon manger là bon $20 pedième, là dit ça date bon même ballon toute baison. That's it. Et qu'on y a son mon invité moi invité avec les honneurs dus à moi. That's it.